Très bien, bienvenue déjà pour votre premier temps. Comment vous vous sentez? Donc, ça y est, vous êtes le nouvel entraîneur de QRM. Bah, je me sens concentré, ça c'est sûr, parce qu'on sait qu'il faut aller vite. Il y a des matchs qui arrivent, mais heureux, ouais. Heureux de retrouver les terrains, parce que pour moi, c'est entraîneur de foot, c'est un métier, mais c'est une passion. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce challenge à QRM? Ben, je ne le dis pas parce que j'ai déjà signé, donc j'ai pas besoin de. Mais j'avais besoin de quelque chose avec des hommes. Voilà, que ça transpire ça. Voilà, j'avais besoin d'un club, ça c'est clair, mais un club c'est des hommes. Et quand je vois jouer l'équipe de QRM, je l'évoquais avec les joueurs, hein, tout n'est pas bien fait, évidemment. Mais on sent qu'il y a un bel état d'esprit. Voilà, et puis, j'ai travaillé avec certaines personnes déjà ici, je sais qu'ils ont un bel état d'esprit. On a discuté avec les dirigeants aussi, le président. Ouais, tout ça m'a redonné envie en fait, de revenir sur les terrains. Avec qui vous avez déjà travaillé ici sans... D'abord le désir ou... J'ai travaillé avec Armand. Oui, mais parmi les joueurs, il y en a un Parmi les joueurs, non. Parmi les joueurs, non. Qu'est-ce que vous avez fait de 6 mois d'inactivité? Est-ce que vous avez continué à regarder du football? Est-ce qu'au contraire vous avez coupé avec le football? Parce que voilà, à un moment il faut aussi se vider un petit peu la tête. Ben, ma dernière saison a été, comme toutes les saisons finalement, épuisante. Vous l'avez suivi, c'était un sacré championnat l'an dernier, on s'est sauvé à la dernière journée, mais enfin, c'était difficile avec plein de particularités. Donc oui, j'ai besoin de couper un peu dans un premier temps, et j'ai pour la première fois de ma vie coupé avec le foot et profité de mes collines dans les gorges du Verdon. Voilà, donc j'ai profité de ça, ça m'a fait le plus grand bien. Et puis là, c'est vrai que depuis 2-3 mois, je sentais que ça, je rallumais la télé, j'ai commencé à regarder les matchs et regarder de manière plus précise, reprendre mon carnet. Et voilà, je sentais que c'était revenu quoi, en fait, presque naturellement, sans forcer. Vous avez suivi un petit peu les derniers matchs? Ouais, c'est. Je vous dis, j'ai vu le match contre Caen, j'ai vu le match évidemment contre Monaco, entre autres. Et ce qui se dégage, et pour moi c'est le plus important, c'est un bel état d'esprit. Ouais, je trouve que c'est protecteur d'avoir des joueurs avec un bel état d'esprit. Il y a de belles choses qui ont été réalisées, 24 points c'est pas rien. Hein. Il faut tourner à 24 points, je crois que l'an dernier avec Dunkerque, on avait tourné avec 21, on était content déjà. Voilà, donc ils en avaient 24, c'est bien. Comme tout coach, on a toujours, et comme devait l'avoir à l'esprit certainement Bruno, des choses qui nous paraissent améliorables. Voilà, donc il y a une bonne base, ça c'est certain, un bon travail qui a été fait, puis j'ai envie de continuer et de m'inscrire dans le jeu. Vous avez pu voir les joueurs, vous entretenir avec eux déjà? J'ai vu les joueurs de manière générale, j'ai pas été très long. Mais j'ai juste voulu les rassurer pour leur dire que ce qu'a évoqué tout à l'heure le président, pour moi c'est le plus important, c'est-à-dire que stratégiquement il y a deux façons d'arriver dans un club en cours de saison, et ça m'est jamais arrivé. C'est arriver dans un club en difficulté, où là il faut bouleverser les choses on va dire, et puis arriver dans un club où ça fonctionne, et moi mon idée c'est pas de venir tout bouleverser, c'est de faire continuer ce qui a fonctionné, et puis d'essayer d'amener 2-3 touches pour qu'on soit encore meilleur. Justement, comment vous pensez améliorer une situation qui est déjà bonne? Ouais. Bah déjà la faire perdurer. Voilà, après c'est sur l'aspect tactique, positionnement de certains joueurs. On a des idées pas tout à fait les mêmes. Vous savez, coacher, quand on fait une équipe, il y a 10 personnes, il y a 10 équipes différentes. Mais voilà, c'est juste être un peu plus précis dans certains domaines, parce que j'ai vu des choses améliorables, mais évidemment je le garde pour mes joueurs en priorité, et puis ils vous comprendront bien. Comme tout coach qui arrive après un autre coach qui est parti de son propre chef sans avoir été licencié, c'est vrai que c'est jamais simple. D'ailleurs, la mission c'est la même pour Bruno à 3. Est-ce que vous appréhendez ça d'arriver après un coach qui était apprécié des dirigeants, des joueurs, ou est-ce que voilà, ça ne vous inquiète pas plus que ça? Je vous dirais que c'est le métier. On arrive toujours après quelqu'un et on est toujours avant quelqu'un d'autre. Je suis parti de Dunkerque, il y a quelqu'un qui est arrivé. Voilà, et je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait un entraîneur. Et voilà, j'étais ravi que le club me choisisse, ça c'est certain. Pas parce que ça me donnait un contrat de plus, mais j'étais content qu'il me choisisse parce que je suis persuadé que voilà,
avec de l'envie, j'ai aussi les qualités pour faire progresser encore un petit peu l'équipe et puis la faire continuer en tout cas au moins sur sa ligne. Et l'équipe que Bruno avait construite, elle a été conçue de manière très spécifique, c'est vrai qu'il y a un style propre à Bruno Rennes, il n'y a pas forcément de créateur, il n'y a pas forcément... Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas du tout, voilà, vous allez vous adapter à l'effectif que vous avez en place? Oui, je pense que c'est une des clés quand, et sans que ce soit péjoratif, mais quand on arrive dans un club comme Quevilly, voilà, je ne peux pas me permettre de dire j'arrive, on sort 10 joueurs, on en remet 10, moi je les aime ces joueurs déjà. Sur les matchs que j'ai vus, je vous ai dit, j'ai vu des choses intéressantes et évidemment, voilà, c'est sûr, parce que je ne vais pas faire jouer les garçons contre leur principe de jeu ou leur qualité. Voilà. On va essayer d'optimiser les qualités de chacun pour améliorer le collectif encore. Donc vous pensez trouver votre style au fur et à mesure des matchs? Notre style, oui, ce sera notre style. Un style avec les joueurs qu'on a, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a encore une fois, il y a deux possibilités quand un entraîneur. Imposer quelque chose, mais il faut venir avec ses joueurs et puis s'adapter aux garçons qu'on a pour essayer de les voilà, de tirer le meilleur de chacun d'entre eux. Pas de pression sur les 20 points à récupérer jusqu'à la fin de saison? Si, la pression, mais la pression c'est bien. C'est aussi ce qui me manquait, voilà, cette petite boule. Mais on l'a tous les matchs, quel que soit le challenge. Les coachs qui sont en place dans leur club, ils ont la pression aussi. Ils n'ont pas plus que moi. On a tous la même pression, essayer de gagner des matchs au maximum et puis de sauver notre équipe pour pouvoir repartir en Ligue 2. Est-ce que au niveau du mercato, vous avez déjà identifié les postes, peut-être même les joueurs à travailler? Ouais, bon, c'est. Quand on a fait le retour un peu sur l'effectif, on est tombé assez d'accord sur les profils qui nous manquaient et puis il y avait des listes, une liste qui avait déjà été avancée. Je suis à peu près d'accord avec cette liste-là, puis on a rajouté un nom ou deux. Voilà. On sait très bien que pour faire signer un joueur, il faut en contacter 4 ou 5. Donc, s'il en faut 2, il en faut 10. S'il en faut 3, il faudra 15 noms pour pouvoir avoir ces 2 ou 3 joueurs. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de bouleverser l'effectif parce que y a dans cette équipe-là de très bons joueurs. Et puis même, je trouve, 2-3 de trois gros joueurs. Vous avez fait le début à Fourienne? Hein? Je crois que ça vous parle un petit peu. Ouais, moi j'ai toujours été familialement supporter du Sporting, mais bon, évidemment, moi je suis déjà allé jouer à Bastia et on s'est jamais fait de cadeau, donc voilà, on allait pour faire entre guillemets un exploit là-bas parce que ils sont invaincus sur leur terre et on va essayer de faire, on aura l'obligation de faire un gros match pour pouvoir tenter de faire tomber cette équipe. Alors, est-ce que c'est possible? Ben, je vous le dirai à la fin du match. Petite boutonne, mais est-ce qu'il faut s'attendre à voir Malik Tchokounté venir à QLM? Non, mais j'ai pas que travailler avec Malik Tchokounté. Certains ont pu penser que c'était mon fils, mais on se ressemble pas trop. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'en parlais avec un ou deux joueurs tout à l'heure dans le vestiaire. C'est vrai que j'ai cette particularité d'aimer retravailler avec les joueurs avec qui j'ai déjà bossé parce qu'on gagne du temps et puis que. Ouais, je suis quand j'aime les hommes, voilà, j'ai envie d'aller au bout avec eux. Et Manik fait partie des hommes que j'aime. Mais ouais, dans cet effectif, il y a vraiment des joueurs encore une fois qui ont le même profil humain. Ça se sent de suite. C'est important l'humain, vous parlez beaucoup d'humain, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est pas important, c'est primordial. Vous avez répondu. Un joueur de foot, c'est des jambes, c'est une idée du jeu, mais c'est surtout un homme. Voilà. Quelqu'un qui a plein de potentiel mais qui ne l'exploite pas parce qu'il n'a pas envie, moi je préfère quelqu'un qui a un peu moins de potentiel et qui l'exploite totalement. Donc ça c'est une des choses qui m'ont convaincu de venir ici, et je vous l'ai dit, c'est les hommes, que ce soit extra-sportif on va dire, et sportif aussi, parce que tout ça quand vous regardez jouer une équipe et que vous avez un peu l'habitude, ça se voit de suite. Ça se voit de suite. Les discussions sont faites en combien d'heures, combien de jours en fait, ça s'est concrétisé? Ça allait vite. Ah oui. Ça allait très vite. Ouais, moi j'ai eu un appel et je pensais qu'on m'appelait, ça arrive souvent, le club pour avoir des informations sur un joueur à moi, un ancien joueur et tout. Et donc je pensais que c'était ça au départ. Parce qu'il y avait des clubs qui sont en difficulté, donc on pouvait imaginer qu'ils allaient changer de coach, c'est comme ça que ça se passe. C'était pas le cas de QRM, donc j'étais un peu surpris, mais ça s'est joué. Très très rapidement, quoi, samedi ou dimanche, je ne m'en rappelle plus, puis voilà. On a vite avancé. Est-ce que vous
Est-ce que vous pourriez vous définir en tant qu'entraîneur au niveau de votre style de jeu, les valeurs que vous défendez, votre philosophie, ceux qui vont vous découvrir dans les semaines à venir? C'est, encore une fois, je ne sais pas si ça a parfois joué contre moi, mais en tout cas, c'est mes particularités. Je pense être pragmatique, donc, parce que j'ai, dans mon histoire, été obligé de m'adapter à beaucoup de choses. Donc, je dirais un coach pragmatique qui aime le jeu. Ça, c'est certain. En termes de passion, voilà, je détesterais une équipe qui sortirait du match pendant 10 minutes. J'ai envie qu'on profite de chaque minute passée sur le terrain tous ensemble. Et puis après, je pense que j'ai une proximité avec les joueurs qui est. Parfois, entre guillemets, je peux faire peur de l'extérieur à certaines personnes. Je le sais, mais j'ai une proximité avec mes joueurs. Je serais pas de leur dire des choses, de les embrasser quand tout va bien, et puis de leur crier un peu dessus quand ça va un peu moins bien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Meneur d'homme, on peut dire ça. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, meneur d'homme, mais. Parce que j'ai pu parfois faire des erreurs, vous voyez, dans le management, mais voilà, en tout cas, j'ai ces erreurs-là, j'essaie de pas les recommettre, donc je tente de progresser, oui, et de manager les garçons un peu de manière individualisée. Voilà, si pour vous, c'est meneur d'homme, peut-être. Première séance, quand est-ce que vous dirigez votre première séance ici? Bah, demain. Voilà, demain, on va se caler avec le staff. Je n'ai pas fait tout à fait dans l'ordre parce qu'il y a des obligations, mais voilà, on a vu le staff à midi, je vais vraiment creuser encore avec eux, mais j'ai vu quelques jours avant. Bon, bref, on va essayer d'aller vite parce qu'il y a quand même des matchs importants qui arrivent. Il nous manque des joueurs importants aussi, ça, il faut le dire, avec la suspension de Sidibé et puis le départ à la CAN de Sangaré. Donc c'est quand même des joueurs qui sont au même poste en plus. Voilà, donc il faut qu'on trouve des solutions, bien s'entraîner, bien se préparer et puis partir faire une probation. C'est quoi, selon vous, la place de QRM d'ici 1 ou 2 ans? La place de QRM d'ici 1 ou 2 ans, je pense que si on arrivait tous ensemble à installer le club en Ligue 2 et être perçu comme un club sérieux de Ligue 2, quand je dis sérieux, c'est dur à jouer chaque année en Ligue 2, je pense que ça serait une belle chose. Après, vous savez, en football, on peut pas prédire l'avenir, mais je pense que ouais, ça serait une bonne chose d'avoir un club à la Rodez, voilà, par exemple. Il n'y a pas parlé de Ligue des Champions. Tu en avais même deux. Non, mais voilà, c'est un peu ce profil de club, je pense.